moi, c'est ce qui m'a fascinée dès le départ, c'est de voir des pièces inertes qui peuvent se mettre à avoir un mouvement, toutes seules, enfin, de, je sais pas, sans aucune énergie électrique ou, ou je ne sais quoi. Non, simplement du métal, quoi. C'est quand même incroyable. Donc oui, on donne vie à quelque chose, bien sûr. Les pièces sont très très petites. Hein. Quand on roule un axe de balancier, savoir quand même que le pivot de l'axe de balancier, c'est un cheveu. Parce qu'un cheveu, c'est entre 6 et 9. Hein. Donc nous, on roule des pivots entre... On a 6, 7 et 8. Donc, vous voyez, on roule un cheveu, quoi. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est vite blessé, c'est vite plié. Donc, il faut être calme et puis rien lâcher. Il faut être ténu, en gros. Il faut être ténu parce que si on lâche, on s'énerve et puis c'est fini, on ne fera jamais la pièce, quoi. C'est beaucoup de travail pour arriver à une toute petite chose et la satisfaction, elle est là. Est-ce que j'ai tout fait pour arriver à mon résultat? Et puis la pièce, elle est là. Après, on peut toujours l'améliorer, hein. Mais le début, c'est ça, quoi. C'est comme... pas dire comme un accouchement, mais on a tout fait pour arriver à une chose. Et puis tiens, qu'est-ce qu'on a au bout? Voilà. Ah, ben, elle est belle. Ça va. Des fois, on se rate, mais ça, je m'en souviens pas. On recommence. On est un peu anxieux à un moment, puis on recommence. Et puis après, ça passe, mais je m'en souviens pas. Ah si, là, ouais, quand même. Ah ouais, la dernière fois, j'ai quand même beaucoup... Ouais, maintenant, c'est plutôt quand on fonce dans les machines. C'est plutôt les collisions. Et là, justement, ça me revient, la dernière collision, c'était... Ouais. On en rit après coup. C'était une belle pièce, et puis c'était bien. Et puis j'ai voulu changer vite un petit truc pour que ce soit mieux, et puis... Et boum. Voilà, c'était tout plat. Elle était toute plate, la pauvre pièce. J'ai monté le mouvement à quartz, que c'était, mais c'est quand même plus joli une montre qu'on peut remonter, qu'on peut regarder comme un bijou.
hein, et puis que on sait qu'on a participé. C'est surtout ça. Quand je vois des modèles, je me dis, eh ben, tiens, ce rouage-là, c'est peut-être moi qui l'ai fait. Hein, les petits trous, le pignon, n'importe, c'est peut-être moi qui l'ai fait tout d'un coup. C'est un puits sans fond, quoi. L'horlogerie, c'est un puits sans fond. Quand on regarde une montre, comme ça, on peut avoir l'impression que c'est tout petit, que c'est minuscule. Mais quand on prend le temps d'y pénétrer un petit peu, avec un petit peu l'habitude à force, au binoculaire ou avec une loupe dans l'œil, on a l'impression que c'est une immense cathédrale, on peut se promener dedans, quoi. C'est plein de recoins, il y a plein de... C'est un dédale, hein. C'est un vrai dédale. On a l'impression des fois d'être un petit insecte et puis de se promener à l'intérieur. Je parle avec mes pièces. Je dors dans ma tête, je leur parle. Je me dispute avec. Vraiment, quand on arrive dans des limites, les limites, bien sûr, c'est pas la pièce qui nous la fournit, c'est nous. C'est notre savoir, c'est nos doigts, c'est notre humeur, c'est notre état d'âme. Quand on arrive vraiment dans des zones comme ça, où une pièce qui est rebelle, qui est retors, voilà, moi je les prends un peu comme les gens, je leur parle, je leur dis, mais ça va pas aller, de toute façon, ça va pas aujourd'hui, demain ça ira, alors autant te laisser faire, hein. Elle m'écoute toujours, elles deviennent dociles, mais en fait je me dis, une fois que j'ai gagné, bien sûr la plupart du temps, je me dis, de toute façon, c'est pas un morceau de fer qui va m'attraper, hein. Il faut vraiment la maîtrise de ses doigts, de son corps, de son esprit, de son attitude pour pouvoir travailler du tout petit. Ça conditionne aussi notre vision des choses. On doit être perfectionniste. Ça, c'est un trait de caractère. Et je vous dis, franchement, dans la vie courante, on devient chiant. On voit toujours le petit point noir qui traîne, la petite chose qui n'est pas d'équerre, le tableau qui est comme ça. Ma femme me dit souvent que je suis un pinailleur. Elle comprend pas vraiment ce que je fais, alors je parle très peu. Quand je suis embêté à la maison, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, puis je commence, puis elle me dit bah arrête, je comprends rien de toute façon à ce que tu me racontes. Donc c'est vrai que c'est pas très concret comme problème, hein. Elle travaille à l'hôpital, alors elle a des problèmes concrets. Elle est aide-soignante. Moi, mes problèmes, c'est hein, des mâles ronds sur des diamètres ou j'ai des mues qui varient, ça lui parle pas. Ça parle pas à beaucoup de monde. Avec les doigts, je sens de quel côté sont les pivots de 6 centièmes. Le toucher, il est hyper important. Moi, c'est tout au toucher, beaucoup.
la bavure. Après, il y a les yeux pour regarder, mais... Moi, quand mes collègues me passent une pièce, ils croient que je l'ai perdue. Maintenant, elle est entre mes doigts, je la fais rouler. Toc, je vous la mets. Et ça, c'est... Ça s'apprend, ça. Et ça se fait pas tout seul. On caresse le mu tous les jours, quoi. Enfin, on essaie. Mais un mu, c'est quoi? Ben, c'est un millimètre divisé par mille, quoi, finalement. Donc on prend un millimètre sur une règle, et puis on s'imagine qu'on le divise encore par mille. Ça vous donne un mu. Vos outils, vous les faites vous-même, vos programmes, vous les faites vous-même de la façon dont vous voulez sortir la pièce, pour au final avoir un truc dans la main et puis dire ouais, voilà, ben, j'ai réussi à faire ça. Et quand ça vient compliqué, les gens ils vous disent ouais, je suis sûr que t'es pas capable de la sortir et tout. Et puis à la fin, vous les posez sur le bureau du patron et puis ben, elles sont là, les pièces. Il n'existe pas de tabelle ou de loi physique pour expliquer comment faire un axe de balancier avec un pivot de 8 centièmes. Il n'y a pas un bouquin qui va vous l'expliquer. Il n'y a aucune école qui pourra vous expliquer comment faire. Ça reste la propriété de chacun, en somme. Maintenant, il y a des 3D qui font des simulations géniales et tout. Seulement, entre le crayon... C'est facile de marquer un mu au crayon, 0,001, c'est facile. Mais avec un burin, de le faire, c'est autre chose. L'œil, l'oreille, la sensibilité dans les doigts, tout, toujours. Après, bon, c'est ce qui permet aussi, après, quand on programme sur la machine, sur l'ordinateur, c'est ce qui permet aussi de dire, là, il faut aller comme ça, comme ça, parce qu'on sait comme ça réagit manuellement. Donc là, évidemment, vous avez bien compris que c'est pas la machine qui fait quoi que ce soit, quoi. Ça va surtout être délicat. Délicat, ouais. Au début, c'était pas évident. Au tout début, pouf, oh, il manque le bout. Alors on recommence, quoi. Ouais. J'adore les réglages. Quand on me laisse faire un réglage, j'aime bien parce que c'est tout un monde. Hein. On les met en hauteur, on calcule leur longueur, quoi, les hauteurs des outils. On joue aussi avec les rayons de certaines fraises. Et puis tout ça, ben, c'est une passion, quoi, ce métier. C'est une passion. Dès qu'on a réalisé, par exemple, les premiers tangentements, on sait maintenant à quelle hauteur on va jouer dans le Z. Faut jamais se tromper, hein. On se trompe d'un dixième, on a foutu en l'air les outils, hein. Donc il faut vraiment faire les choses dans la tranquillité, dans le calme, pour que tout le résultat soit nickel, quoi. Bon, c'est le métier, hein. On le choisit, hein. Dès qu'on l'a choisi, ben, que ce soit un peu plus grand ou encore plus petit que ça, le système est le même. Hein. Il faut toujours rester dans la tolérance.
Hein, j'ai resté dans les exigences de ce qu'on demande. Parce qu'après, la pièce, elle est montée quelque part. Là où elle est montée, si on n'était pas dans ces dimensions-là, elle ne pourra pas se monter. Donc là où elle va se faire monter, ben, c'est déjà prévu, justement, ces tolérances sont prévues pour que la pièce y aille et que le système fonctionne sans problème. Les mauvaises expériences aussi dans le passé, ça a toujours aidé. Ça a toujours aidé pour toujours être meilleur, et petit à petit, ben, cette quête, elle est devenue ma vie, hein, la quête de la perfection. Donc c'est là que je disais une fois au copain, je lui ai dit avant, je vis dans l'obsession du centième. Dans l'obsession du centième, c'est que dans ma tête, ouais, je dois toujours rester dans la tolérance. Quand il y a quelque chose qu'il faut usiner là, il faut être là, je dois être là. Je ne peux pas être ni en bas ni en haut. Donc, c'est resté comme ça dans ma vie. Hein. C'est resté. C'est ça. C'est devenu aussi mon métier en même temps. Hein. Alors, ça va, quoi. La première fois que j'ai vu une montre, j'ai vu mon papa travailler, c'était dans la maison de mon enfance. À l'âge de 6 ans, j'étais assise sur le rebord d'une fenêtre, je regardais mon papa travailler. Alors je me souviens qu'on remontait un ressort de barillet, il le remontait avec un petit outil, et puis moi je l'ai fait ça, je l'ai fait, il me le faisait faire. Je me souviens même des boîtes en carton dans lesquelles il livrait ses pièces, parce que mon papa travaillait dans l'entreprise et ensuite il travaillait à la maison. J'ai récupéré ses outils et puis c'est vrai que je travaille encore avec ses outils. Arrivait un samedi ici avec mon père et c'était magique quoi. Il y avait une lumière très très pure, oui, pas un nuage dans le ciel, il faisait 2-3 degrés, enfin il faisait pas chaud mais c'était pas grave quoi. Une lumière d'horloger, c'est les ciels sans nuages qu'on a depuis l'automne jusqu'au printemps si on peut dire, qui a une vivacité des couleurs et une netteté qui est assez extraordinaire quoi. Ça veut dire que vous voyez tout, mais vous voyez trop. Parce que le problème dans nos métiers, c'est de savoir où s'arrêter. Et il y a des jours aussi où on arrive à faire des choses, puis d'autres on n'arrive pas. Et la lumière nous influence beaucoup, quoi. Il y a des choses merveilleuses dans la nature qui sont même extrêmement difficiles à reproduire. Elles nous amènent des formes, des courbes qui sont naturelles. Les anses des montres, elles ont une courbe naturelle qui est imaginaire au départ, et puis après elle part comme ça, en spirale, et je prends qu'une portion de cette spirale. C'est comme une portion de feuille de nénuphar. Le dessin, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme un scénario. On peut se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais réfléchir sur les cornes. Comment je vais accrocher les cornes sur la carrure? Comment je vais rendre ma corne belle avec un reflet de lumière, juste comme ça. Après, quand on a ces dessins-là, qu'on commence à s'imaginer les volumes, on va mettre ça sur l'ordinateur pour commencer à avoir un volume qu'on va faire avec des cires. Ça va nous permettre déjà d'être confrontés à la matière.
Bravo, elle applaudit. Elle fait la révérence. Il fonctionnait pas, hein? Pas du tout. Voilà. Oui, c'est ici, il n'est pas visible. Magnifique, hein? J'ai à peu près 500 ans d'histoire de l'horlogerie qui sont passés dans mes mains. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est cette recherche de l'excellence, du beau, de l'esthétique. Hein, on a amené de l'esthétisme, même dans la mécanique, qui n'est pas, qui est cachée, hein, depuis la Renaissance à nos jours. Ça, c'est une notion que j'ai découverte. La deuxième, qui pour moi est fondamentale, c'est le nombre d'or. C'est l'harmonie qu'il y a dans les chefs-d'œuvre, dans leurs proportions. Ça m'a permis de voir les choses différemment, hein, sous un autre angle. Et ça m'a amené à apprendre à regarder. Ce que me rappelait tout le temps mon père, qui sait regarder, acquiert l'art. J'ai commencé, oui, j'en ai pleuré, quoi, vraiment. Donc voilà, ça a été très clair. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ce métier. Parce que bon, je pense pas que ça arrive à grand monde d'être aussi ému devant des objets, enfin, par des œuvres d'art, mais c'est le cas. Pour moi, c'est vraiment un vrai métier d'art qui doit perdurer et qui est tout aussi émouvant que pour certains tableaux ou une pièce de théâtre, ou je ne sais quoi d'autre. Bon, t'en veux un quart, ce sera pas plus facile pour venir là, après ici. Mais regardez voir de dessous. Tiens. C'est ça qui m'embête, je sais pas quoi c'est. Je me dis qu'il faut que je la passe partie la platine. Oui, il doit passer à cheval entre deux. Parce que ça, c'est ce qui est interrogé ici, je pense. Les goupilles, c'est ça, hein? Je pense. C'est dur. On doit beaucoup limer. On lime beaucoup. On a les doigts en sang. C'est pas évident. Pour moi, c'est encore plus difficile avec la langue. Hein. Mais j'ai adoré. Et je suis fier d'être horloger. Quelque chose
qui m'a donné beaucoup de fil à retordre à l'époque en apprentissage, parce que c'est un des premiers objets que justement que j'ai fait qui me sert tous les jours. Lui, quand je monte le tournevis, la vis, elle est contente. Et je me sers, je le garde, je l'ai depuis l'école d'horlogerie, il a 40 ans. Voilà, ça c'est le mouvement. Le petit doigt ici, hein, sur la, les deux doigts sur la friction, on serre quelque chose. Là, moi, je peux vous mesurer mes pièces, je suis tranquille. Hein, je suis tranquille. Ouais, je pense que c'est notre outil préféré. Tout mon mécano, partout où il va, il l'a avec lui. Puis quand il part, ben, c'est comme mon papa, il n'a jamais voulu me donner le sien. Il l'a pris avec lui, alors qu'il était parti à la retraite. Non, j'ai dit, fais-le moi comme ça. Non, non, celui-là est à moi. Je pense qu'on le garde. Souvent, il y a un autre nom et un autre prénom derrière. On ne l'aura pas bien, mais sur la plaquette ici, il y a mon nom et mon prénom. Et ben, souvent, dans les brocantes, quand vous en trouvez, ben, c'est toujours des noms de personnes décédées. Quand j'ai commencé, finalement, il n'y avait plus d'horlogerie. C'était le désastre. C'était une zone considérée sinistrée. Je me suis mis à mon compte envers et contre tout, à contre-courant, parce que j'ai découvert le patrimoine de l'horlogerie ancienne durant mes études. J'ai découvert des choses extraordinaires. Et puis je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. En 1860, à Fleurier, il y avait 600 horlogers. Vous imaginez? Et j'ai toujours voulu fabriquer des mécanismes parce que je ne trouvais pas sur le marché des mécanismes qui correspondaient à mes expectatives. C'est pour ça que c'est devenu une fabrication, une manufacture. C'était par rapport au fait qu'on ne trouvait pas chaussures à son pied, un peu. Alors on le fait nous-mêmes. Hein, donc c'est quelque chose d'assez fort. Faut y croire, faut aimer pour résister. La raison fondamentale de créer cette marque, c'est pour qu'il y ait une pérennité. Parce que si vous ne créez pas de marque, il n'y a pas de pérennité. Le jour où le maître horloger fait ses montres pour lui tout seul, quand il s'arrête, ça s'arrête. Donc, nous, la transmission, elle est capitale dans notre métier si on veut considérer qu'on veut rester dans la haute horlogerie. Il y a des matériaux que vous ne devez pas utiliser chez nous parce qu'il n'y a plus de transmission. Si vous utilisez des matériaux de synthèse, de la chimie, du sable, comme la céramique, il n'y a plus de transmission. C'est la machine qui le fait. La main d'homme n'a plus aucun effet sur le produit. Donc, nous, il y a des produits qu'on ne veut pas utiliser. Si vous n'avez pas la notion de transmission dans un métier comme le nôtre, il ne faut pas le faire. Collègues, elles vont pas travailler de la même façon que moi, ni avec les mêmes limes.
Certaines vont les tailler beaucoup plus pointues, d'autres vont les mettre plus à plat, d'autres vont enlever les grains parce que les grains les gênent et puis elles arrivent mieux à avoir l'angle avec quelque chose de plus lisse. C'est un petit peu comme... c'est un peu prétentieux, mais comme quelqu'un qui a un métier bien à part, bien à lui, comme un peintre où il va faire son truc à lui. Eh ben nous, on ne peut pas standardiser notre métier, c'est pas possible. On est des êtres humains, donc on n'arrivera jamais à faire vraiment quelque chose de parfait, vraiment parfait en fait. Il y aura toujours des petites différences. C'est ça qui est beau aussi, suivant les décorations. Par exemple, au perlage main, il n'y aura jamais une pièce qui sera vraiment identique à l'autre. Il y aura toujours des tout petits décalages d'une pièce à l'autre. C'est la personne, en fait. C'est une signature. De toute façon, on laisse une empreinte. Ça, c'est sûr. Vu qu'on va poser sur la montre ce qu'on aime. Donc oui, je pense qu'on laisse tous une empreinte sur la montre. Chacun à sa façon. Je pense qu'il faut être rigoureux, précis, mais il y a besoin de ce grain de folie qui fait que... Déjà, pour passer beaucoup de temps sur une pièce, comme certaines pièces, on passe 5 voire 6 heures pour une pièce. Le pont tourbillon, on passe 12 heures dessus. Donc, il faut déjà avoir un petit côté un peu... voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je la commence, je la finis dans 12 heures. Il va falloir que tu te concentres, mais tout en restant quand même avec ce petit côté... ouais, je vais y arriver, ça va être beau, ça va être... On n'est pas... Ouais, on n'est pas si sage que ça. Et tant mieux. Et tant mieux. C'est un système de dates, hein, qui a déjà été fait, mais nous, on a voulu faire, dans la démesure, une date immense, et en oubliant tout ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on est parti, page blanche, et on a inventé des systèmes. C'est pas une montre où il y a 700 pièces dedans, hein, non. Une montre à complications, c'est plusieurs ensembles complètement autonomes qu'on peut faire fonctionner ensemble d'une manière plus ou moins interactive, qu'on peut enlever, qu'on peut remettre. C'est ça, une vraie montre à complications. C'est pas un champ de bataille, voyez. Il faut toujours penser à la construction, à la déconstruction. Et là, on avance, on a du costaud. Il faut que ça soit solide, une montre. Hein. Ça bouge 27 000 fois par jour. Hein. On vient le matin, on sait des fois qu'on va démonter peut-être... peut-être 50 fois la pièce. Donc en gros, c'est comme un cercle. Au début, on est autour, puis après, on s'approche de plus en plus du centre du problème. Je suis en permanence dedans, on va dire. C'est pas intéressant si c'est simple. C'est un métier où on aime bien chercher la complexité quand même. On n'aime pas simplifier la vie forcément, quoi. Sinon,
On ferait des montres simples à deux aiguilles, et puis voilà, simplement, quoi. Mais là, ça fait partie du jeu. Plus c'est compliqué, plus c'est intéressant, ça. C'est un chemin infini qu'on trouve. On voit pas la fin. Il aura toujours des choses nouvelles à sortir. Il y a des cadrans avec des aiguilles rétractiles. Je savais même pas que ça existait. J'ai jamais vu. J'étais complètement étonnée. Tu es sûr que tu as l'air si loin? Toi, Pilar, toi, là, ça n'a pas accroché, ça ne l'a pas pris. Là. Hein? C'est chiant. Hein? C'est là où il n'a pas assez de patates pour passer, il doit rester bloqué. Je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe exactement où il était, le bout là. Alors là, on remonte. Si je pousse à peine là. Normalement, ça doit partir. Est-ce que t'as pas un défaut sur la descente? Ou est-ce que ça, c'est bien libre? J'ai un peu de jeu, un peu des bas de trou quand même. Hein. Ah, il se tasse les bras. Ouais. Non, mais on sent que c'est libre. Ça, je l'ai relevé parce que ça avait tendance à frotter là. Puis j'ai même fait un angle au-dessus, t'as vu là? Au-dessus de la cam. Hein. Ça avait tendance à frotter dessous. Hein. Il faut qu'on se replante. Là, on compte en centième de millimètre. Parce que j'ai trop de force, puis le levier il force trop, puis la cam elle n'arrive pas à descendre. Peut-être regarder au binôme. Sans voir le ressort, il n'est pas trop tendu. J'ai tendu un minimum pour que ça vienne juste plaquer en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça aurait bougé en fait. M'asseoir. Mais ce qui me gêne, c'est qu'en remontant, j'ai bugué un truc et je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Et des moments, on a des bugs comme ça. Il y a la mire. Alors là, il faut le troisième œil. Ou des fois, tu sais pas pourquoi, tu rentres chez toi, le lendemain matin, dans la voiture. Ding. Mais là c'est, depuis hier, c'est ultra fatigant. Tu réfléchis, tu ne trouves pas, tu démontes, tu remontes. Souvent, tu es trop pressé, tu es énervé, tu fais des bêtises. Je crois que le message de l'horlogerie contemporaine est d'aller dans la démesure, qui est une démesure que l'on atteint justement par un dépassement de soi-même, un dépassement de la technique, un dépassement du collaborateur qui veut aller jusqu'au bout de ce qu'il sait faire, qui veut aller jusqu'au bout de son art et le faire partager à tout le monde. Donc je crois que cette démesure est importante dans la mesure où justement elle va amener bien autre chose que la simple mesure du temps et amener à réfléchir à un objet aussi qui devient une œuvre d'art. Je pense que c'est la montre, le mouvement mécanique en tout cas, ça s'approche d'un rêve d'un gosse, je dirais. C'est un mécanique qui fonctionne, qui fait tic-tac, mais quand on est petit, quand on regarde ce genre de mécanisme, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et puis, petit à petit, ben, on a envie de découvrir pourquoi il fonctionne, comment ça doit fonctionner. Je suis venu en Suisse pour ça, hein, je dirais que quand je suis parti du Japon, c'était vraiment pour apprendre l'horlogerie.
je veux pas parler là-dedans de tout ce qui est de l'engrenage, de spirale, enfin... Mais... comment dire ça? Parce que c'est comme si vous me demandez comment ça fonctionne au soleil. Il y a l'explication scientifique derrière, mais... j'essaie pas trop d'aller trop loin de comprendre ou d'exprimer là-dedans, parce que... un petit peu de part de mystère, ça fait pas de mal. Tout ce qui est chaîne cinématique, de l'engrenage et tout ça, ben, comme ça tourne, on a quand même similarité par rapport à comment ça peut tourner les planètes autour du Soleil. Et quand je dis l'univers, c'est pas que l'espace et les planètes, aussi ça peut aller jusqu'à les êtres humains. Donc le spirale comme enfin le balancier qui se bat, enfin qui bat comme ça, ça ressemble aussi le cœur des êtres humains qui bat. Donc c'est l'ensemble. Je sais pas si je peux. J'arrive à m'exprimer là-dessus, mais voilà. C'est toujours le même principe. On a d'abord une force qui est donnée par un ressort, le barillet. C'est donc cette force qui va être transmise dans un rouage, qui va se diviser et qui va s'échapper, diviser, pour qu'elle, évidemment, une seconde fois une seconde, par ce qu'on appelle le balancier, en fait. C'est lui qui règle, c'est avec ça, justement, qu'on règle cette division de la force, pour qu'une seconde soit une seconde, une minute, et que ce soit le plus précis possible. On peut dire que chaque mouvement est différent. C'est chaque fois autre chose. Et je crois qu'avec le réglage, ce qui est passionnant, c'est qu'on apprend tous les jours quelque chose. Quelque chose de nouveau arrive. Et puis tous les jours, on apprend quelque chose. C'est comme un être vivant. Hein. On peut dire, c'est comme un être vivant, quoi. C'est un cœur qui bat, qu'il faut maintenir en vie. En forme, c'est un peu ça. L'âme de l'horloge, elle est toujours la seconde, soit c'est clic clac clic clac clic clac clic clac, et ça sera toujours clic clac clic clac clic clac. Même si on ajoute d'autres composantes ou d'autres fonctions, il y aura toujours le cœur, ce fameux cœur qui a le balancier spiral que je travaille, qui restera éternellement. À refaire, je le referai. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. La mécanique, c'est beau, c'est vrai. C'est un truc, une fois que vous l'avez fait, il reste, hein. Chaque fois qu'on sort une pièce, on se dit, moi, je serai plus là, mais les pièces seront toujours là, hein. On va pas les mettre à la poubelle, hein. C'est quelque chose qui est valorisant pour celui qui l'a fait. On raconte, et ça je veux bien le croire, qu'il y a des gens qui sont morts la nuit parce que leur horloge s'est arrêtée. Dans le sens qu'ils écoutaient leur horloge leur donnait le rythme,
Et puis, ben, le jour où l'horloge s'arrête, la nuit où l'horloge s'arrête, ils arrêtent de l'entendre, ils s'arrêtent de vivre, quoi. Et ça, moi, je suis capable d'y croire à ça, quoi. J'ai un copain qui me disait, mon horloge, elle me dérange parce qu'elle bat plus vite que mon cœur. Il avait une pulsation à 50 ou 55, et l'horloge, elle le stressait parce qu'elle battait à 60. Donc, ça l'agaçait, c'était trop vite, quoi. Et là, je pense qu'il y a vraiment ça, quoi. Donc, pour moi, l'horloge, c'est le tic-tac. Pour les tic-tac de la montre, on ne les entend plus maintenant, ça fait beaucoup moins de bruit. Et le tic-tac de l'horloge, c'est vraiment le rythme de la vie, quoi. Un 60e, on a à peu près tous le cœur qui bat à cette vitesse-là. Donc, ça montre que c'est vivant, quoi. En bois, et puis on voit les rebonds qui se passent. On voit le rebond du disque, voilà. Qui va en avant et en arrière. Hein. En fait, il y a le temps que on a mesuré le temps que le marteau y tombe. Donc la grande bascule là, qui tombe du limaçon, ça met 3 millièmes de seconde. Ouais. C'est un lacet qui est laminé. Ouais, à niveau précision. Voilà, puis après on a juste la longueur, c'est tout. Si vous voulez, le temps qu'on monte de là à là, l'affichage il n'a pas bougé. C'est un peu comme ça existait, ces heures sautantes avec deux étoiles quand. Oui. Cambrer une à l'autre, c'est ce principe-là. En fait, on comble le jeu d'engrenage et après, c'est le premier sautoir qu'on a armé qui vient redonner l'énergie au second. Ouais. Et ça reste une bête à chagrin. On a tout verrouillé. C'est bon. Mais c'est vraiment du pièce à pièce. Hein. Oui. Ouais, là, c'est quand on même. Peut pas, justement, c'est vraiment du pièce à pièce. Mais on voit que dans les 3 millièmes de seconde, on arrive à faire toutes ces fonctions. Oui, mais c'est quand même. Il faut s'imaginer. Là, on a presque la preuve, parce que je suis en train de monter une au propre. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, ça fonctionne. On a tâtonné, et j'arrive le lundi, je fais sauter mes disques. Yes, sous l'établi, je me fais tout seul. Yes, c'est bon, je leur dis rien. Je monte tout nickel, je pose le cadran, les aiguilles, je monte tout dans la boîte et tout. J'essaye, tac, 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 je fais les corrections. Nickel. Il y avait encore deux, trois petites stabilités à assurer. Je me dis, c'est bon. J'appelle mon directeur, je dis, ouais, fier comme un paon. Tiens, voilà l'ouvrage. Il l'apprend, il appuie, là, là, deux coups, il a tout mis en vrac. Je suis parti. Ah, je voulais changer de métier. J'avais le moral d'un thon rouge dans un frigo de japonais. Hein, j'étais à peu près comme ça, toi. Je te jure, je suis parti en ville, je suis allé boire des cafés pour me remettre. Je voulais changer de métier, ouvrir une baraque à frites. Hein. Des grands moments de désespoir. Puis des fois, t'as des grands moments de joie, c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Repousser les limites, réinventer des choses et se dire qu'on travaille avec des choses qui sont des éléments finis, j'entends, que ce soit des métaux, que ce soit le sol, que ce soit les plantes, que ce soit des hommes. Ce sont des choses qui ne sont pas éternelles et il faut pouvoir, pour finir, les... en faire quelque chose, les valoriser, savoir les valoriser, savoir aller plus loin et vraiment faire quelque chose d'original avec cette boîte à outils que nous avons reçue en naissant. Pour moi, c'est comme celui qui opère. Hein. Je veux faire toujours mieux, toujours mieux. J'ai réussi deux fois dans ma vie à faire un bulletin avec dans les 5 positions 0000 secondes. Ça arrive qu'une fois dans notre vie, pareil. À moi, ça m'est arrivé deux fois. Puis j'aimerais que ça m'arrive tous les jours, bien sûr.